Et salut à tous les amis, ici Ryulink, donc sur une nouvelle vidéo de Jump Force sur PS4. Là, on se retrouve, on était donc en fin de mission. On a réussi à sauver Day de Dragon Quest. Et là, on va se lancer tout de suite sur de nouvelles missions clés. C'est parti! Alors désolé, je tiens quand même à m'excuser pour l'épisode 3 où je n'ai pas pu faire de commentaire dessus car j'étais très malade. Donc pour cette fois-ci, du coup je reste bel et bien dans le commentaire. Donc là on part sur mission de la GeForce Yusuke. Essayez cette mission, bien sûr. C'est horrible! Toute la ville est en ruine. On a de la chance que notre monde n'ait pas subi le même sort. On a seulement réussi parce qu'on avait des alliés. Parce qu'on a rencontré tous ces gens. Ah, là, il y a des venins. Vous voilà, venins! Allez-y, venez! On protégera ce monde quoi qu'il arrive. Tu n'y crois pas toi-même? Qui es-tu? Tu te bats pas pour protéger le monde. Tu te bats pour une seule et unique raison, tu adores ça. Allez, ne mens plus à toi-même. Satisfais ton envie de te battre. La ferme. Prêt, combattez. Ça part sur l'esquive rapide, on enchaîne, hop, hop. Téléportation, coup, téléportation et un coup. Là, on est bien. Ah, ça m'a lancé un Kamehameha sur la gueule. Nous aussi, on lance un Kamehameha. On brise la défense avec un coup smash. On l'enchaîne. On n'a pas le temps. Notre esprit est ailleurs. Toujours dans le rythme. On se protège bien comme il faut. On enchaîne. Et encore on enchaîne. Ah, ils ont fait un switch. Ah, là je suis en train de perdre un peu le contrôle. On termine avec une petite castagne sur le visage. Et on termine le combat. On passe Yusuke au niveau 7 et on gagne un peu d'expérience avec Ryulink et un petit peu d'or, ça fait toujours plaisir. J'ai vu ta vraie nature. Tu es la machine à tuer parfaite. Tais-toi, je t'ai dit de la fermer! Eh mince, j'imagine qu'ils ne mentent pas sur tous les points. J'avoue que je ne déteste pas me battre contre des gens vraiment forts. En fait, j'aime bien. C'est peut-être le cas des autres. Il y en a qui adorent se battre. Alors oui, peut-être qu'on se bat pas pour protéger les autres.
mon personnage toujours aussi expressif. Bien sûr que si, merci Ryulink. De rien, t'inquiète pas, je sais. Mais promets-moi quelque chose. Si je commence à me battre uniquement par moi-même, arrête-moi, d'accord? Eh ben c'est parfait. Alors, je suppose qu'il faut aller parler au directeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je fais un saut trop skillé, t'as vu. Ah, ben pour une fois, il faut pas aller lui parler, tiens. Qu'est-ce que l'on doit faire? Si j'ai pas de point d'exclamation dans mission et que le directeur n'en a pas non plus. Eh ben dis donc. Première fois que j'ai ça. On va voir un peu comment ça se passe. Je vais voir s'il n'y a pas des missions autres que clés. Non. J'ai des missions gratuites qu'on avait déjà commencé par facile. Bon, écoutez, on va voir un peu les alentours. On va voir de l'équipe, enfin, on va voir du côté de l'équipe de Sangoku, voir ce qu'il y a. Non, là, il n'y a rien. Et quand on rentre dans les menus options, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose non plus. C'est très bizarre. Ah, on court à côté de quelqu'un. Kegan. Je pense pas qu'il y ait des missions ailleurs. Hein. On va quand même regarder. Là non plus, il n'y a rien. On va aller voir du côté de Naruto. Il y a l'air d'avoir quelque chose là. Et on retrouve Gon. Tu as une minute? Bien sûr, t'inquiète pas. Super, j'ai combattu la mafia. Et je suis même allé dans un monde de jeux vidéo. Ce monde est gigantesque. Il y a toutes sortes de gens et d'endroits. Ne te méprends pas, je ne suis pas ravi que le monde soit en danger. Mais je suis ravi de pouvoir visiter des mondes que je n'avais jamais vus. Écoute, j'aimerais te demander un service. Je rêve de voir le château d'un endroit que l'on appelle le Japon. Pourrais-tu m'y amener? Ah, bien sûr, tu me parles de Japon, forcément je t'y emmène. Si ça peut te faire plaisir. Ouah, c'est magnifique! Rapprochons-nous! Mais avant ça. Ah, bah tiens, le clan des venins, comme d'hab! On doit s'assurer que ces venins nous gâchent pas tout ça. Attrapons-les! Prêt? Combattez! La petite esquive rapide! Là, on tape, on se téléporte, on tape, on se téléporte et on tape! On place bien le premier combo. Ah, je me suis fait toucher comme un bleu. Lui aussi d'ailleurs. On se laisse pas faire. On reste protégé. On fait une attaque smash pour briser la défense. Pour nous permettre de comboter. On
Déferlante de sable mouvant. Une petite retraite. Et ça nous permet de terminer le combat. Et on passe niveau 7 avec Gon. Et on va pas tarder à monter niveau 9 avec Ryu Link. Et un petit peu d'or gagné, ça fait toujours zizir. Piou, oura. C'est magnifique ces pétales de fleurs, on dirait de la neige. Bon, on peut rentrer. Merci beaucoup Ryu Link. De rien, t'inquiète pas, je sais. Je suis au top là avec moi. Avec mon costume et tout, tu vois. Je suis propre quoi. Même monsieur propre, il en revient pas, tu vois ce que je veux te dire. Bon, déjà, je vois que les missions clés, c'est pas forcément uniquement dans les guichets des missions. Il peut avoir aussi quelques PNJ, quelques personnages qui peut donner des missions. Ça permet de changer un peu de ces guichets quand même. Ah, donc ça, c'est fait. Donc là au-dessus, je vois qu'il n'y a toujours pas de point d'exclamation. Donc ça veut dire qu'il doit avoir un autre personnage ou un autre PNJ qui doit donner une autre mission. Non, là, il n'y a rien. Donc à mon avis... Ah, alors j'ai parlé peut-être un petit peu trop vite. Oh, tu dois être la nouvelle recrue. Light Yagami. Je suis Sangoku, content que tu sois là. C'est un honneur d'être ici. Le directeur m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu étais extrêmement puissant. Il est vraiment si fort que ça, Light? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ce n'est rien. Au fait, j'ai quelque chose à te demander. Ah oui? Quoi donc? Il paraît que ton monde renferme un trésor incroyable capable d'exaucer n'importe quel vœu. Oh, tu parles des Dragon Ball? En effet, si on réunit les 7 Dragon Ball, un dragon nommé Shenron apparaît pour exaucer un vœu. Excusez-moi, j'ai bugué sur le coup. Il existe bien quelque chose d'aussi magnifique? Pff, c'est marrant que tu dises ça. Alors, où sont ces Dragon Ball? Eh bien, maintenant que tout le monde... Eh bien, maintenant que tout le monde, enfin tous les mondes sont reliés, oh, j'ai eu du mal, hein, je ne sais pas vraiment où elles ont pu atterrir. Je voulais demander à Shenron de tout ramener à la normale et qu'elles n'apparaissent pas sur le radar. Et qu'elles n'apparaissent même pas sur le radar. Oh, j'ai vraiment du mal. Hein. Je vois. Toi aussi, tu voudrais exaucer un vœu? Plus ou moins. Qui n'aimerait pas avoir le pouvoir d'exaucer tous ses vœux? Je parie que tu as hâte de retrouver ton Death Note. Ce que je veux, c'est de la puissance. De la puissance? Si ce n'est que ça, pas besoin de Shenron. Je serais ravi de t'entraîner. Non merci, contrairement à vous. Je crains ne pas avoir une force surhumaine. Très bien, si jamais tu changes d'avis, fais-le moi savoir. Merci Sangoku. Alors à plus tard. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça part sur un méchant très charismatique, avec des cubes rouges, avec un livre, avec des cubes qui sortent du livre. Avec un sourire et des yeux rouges. Là, si tu sais pas que c'est un méchant, je sais pas ce que l'on peut faire. Tu vois, c'est... Il a vraiment la caricature du Darkman, quoi. Du méchant man, tu vois. Du vilain. Il est vilain parce qu'il est pas gentil, tu vois. Ce qui est logique en soi. Allez, c'est parti. Donc là, on a une mission juste là dans ce guichet. Salut, voici le guichet des missions. Il est important que tu accomplisses des missions régulièrement. Oh, pas possible!
Alors, qu'est-ce qu'on a? Reconnaissance Hong Kong et reconnaissance France-Francisco. Donc, on va partir sur la reconnaissance de Hong Kong. Et si cette mission? Oui. On y va. On n'hésite pas. Alors là, au niveau des personnages, ben, je prends Ryu Link, ce qui est logique, vu que j'ai pas le choix. Ensuite, je pars sur un bon Vegeta énervé. Et ensuite, je pars sur un bon Day énervé. Prêt, combattez. Ah ouais, d'accord. Ça rigole pas, là. Là, je me fais un peu maîtriser, quand même. On va essayer de reprendre la position. Ah, là, je me suis fait avoir. On reste concentré sur le combat. Téléportation coup. Téléportation coup. On rigole pas ici. On brise la défense. Et on enchaîne. On place la grenade de lumière, capacité d'éveil. Qui place quand même de sacrés dégâts sur notre adversaire. Un petit Kamehameha. Ça l'a pas touché, on va recommencer. Ça fait le taf. Allez, un petit troisième. Ça suffit pas. Allez, un quatrième, non, pour rigoler. Allez, un dernier. Et on termine avec le cinquième Kamehameha. C'était un peu sale, mais j'aime tellement le Kamehameha comme il est très bien fait. Donc là, on monte au niveau 9 sur Yu Ling, et on gagne un peu d'expérience sur Vegeta et Day. Et bien évidemment, un petit peu d'or, ça fait toujours plaisir. Super. Allez, on part sur la deuxième mission clé. Reconnaissance de San Francisco. Allez, c'est parti, on essaye la mission. Et on repart encore sur un chargement. C'est super. Alors, ben là du coup, pour changer, on va prendre Vegeta et Day. C'est une boutade, en fait, j'avais pas du tout envie de changer, quoi. Prêt? Combattez. Hop, la petite esquive bien placée. L'assistance de Vegeta qui a pas servi à grand chose, mais c'est pas très grave. Là, je me suis fait avoir, j'ai foncé sur lui. Le Kamehameha bien placé. Ah bon, mais finalement, ça va pas servir à grand chose, sa technique. On va placer un autre coup de poing. Là, on va partir sur Vegeta. Il est bien énervé, le Vegeta. Et on termine avec sa compétence qui a fait le taf. Et on passe niveau 8 avec Vegeta et Day. Et on gagne un peu d'expérience sur Ryu Link. C'est parfait. Et là, ça part sur une cinématique. みんな集まってくれ。どうした？いや、何でもねえ。今回の任務はナルトたちと君に言ってもらう。よっしゃ！今入った報告によれば、 ガーラがベノムズの指揮官と思われる男を見つけ、敵の本陣へと向かったとのことだ。ガーラのやつ、
一人で乗り込むなんて無茶しやがって。行くってばよ。Le fameux Gaara, le voici. Zuiben to dodo to sta shikaku da. Chōdo ii. Omae no chikara o shimeshite miru. Ah, et on a Sasuke avec nous d'ailleurs. Sasuke! Prêt, combattez. La petite protection qui est bien placée. On passe sur Naruto. Ah, j'ai raté mon attaque. Ah, il m'a fait une projection. Ah, je me suis fait avoir là. Restons concentrés. J'ai jamais joué avec Naruto, donc du coup je suis un peu mal à l'aise avec ce personnage. Ah bah là il a attendu que je lance une technique. On va changer de perso pour essayer d'être plus à l'aise. Ah non, ça a placé un soutien. Et il nous a terminé avec le souffle du dragon. On va recommencer, c'est pas grave. Revanche. Oui. On va essayer de la jouer un peu plus défensif. Hop, la projection qui place des dégâts. On va recharger un peu. Le coup fort. Ah non, j'étais en train de lancer un Kamehameha, ça sent pas bon. Il a bien placé son coup. La projection pour faire des dégâts. On enchaîne avec une série de coups. Ah, elle m'a contré. Et on termine avec le coup de poing de Naruto, le pur, le vrai. On passe Sasuke Uchiwa au niveau 8 et on va pas tarder à monter niveau 10 avec Ryu Link. Naruto qui est à mi-chemin, on va dire, et un petit peu d'or gagné. Le chargement du jeu. Allez, on se bouge l'équipe.
お前たち、ここは俺に任せて先に行け。雑魚どもは俺がやる。けど、心配するな。さあ行け。わかった。頼んだぜ、サスケ。この程度か。期待外れだね。ナルト。どうやら間に合ったらしいな。さあ反撃開始だってばよ。ナルト待て。え？同じやつ。あ、ouais, d'accord. もう一人。Ils sont deux, quoi. 一人なら俺も苦戦などしない。影分身？いや、そういうわけじゃなさそうだな。手強いぞ。注意しろ。Prêt ? Combattez ! On switch avec Naruto ? La projection avec Naruto qui fait le taf ? On s'est protégé bien comme il faut là. Ah là je me suis raté mais quand même bleu quoi. Il place quand même de sacrés dégâts hein, c'est énorme. Et on fait une combinaison Gaara plus Naruto pour le terminer. Et on passe Ryu Link niveau 10, Naruto Uzumaki niveau 9 et Gaara qui reste niveau 8 avec un petit peu d'or. Le chargement du jeu. Nanda, dou natte nda kore? Masaka kore tte? Ah. Donna shikumi ka sadaka dewa nai na. Cube ga atsumari やつの肉体を形作っているようだ。またこんなの反則だってばよ。文句を言っていても仕方ない。行くぞ。Le chargement 99% mais qui reste bloqué. Ah ben non, cette fois il est pas resté coincé. Ah, il a eu la priorité sur moi. Oh, cette attaque a fait très mal. Hein. Oh, petite projection des familles. Ah mince, j'étais en train de lancer un Kamehame hein. Ça fait perdre quand même beaucoup beaucoup de vie là. On termine avec le Kamehameha de Sengoku. こいつらあと何人いるんだよ。何？悪いね。まだ終わりじゃない。緊張感のあるいい目をしている。ナルト！Gaara qui a pris très cher là. Ah, il suffit de demander, il passe directement à 99.
Oula, il a placé pas mal de dégâts sur moi. Alors j'ai essayé une projection, mais ça n'a pas marché. Ah, il me laisse rien faire. Hein. Bon, et ben là, il m'a terminé. Je sens que le combat contre lui va être compliqué. Maintenant, on va rester bien concentré sur le combat. Là, il faut absolument se protéger. Parfait. Là, on enchaîne. On se laisse pas déstabiliser. Et on finit avec le Kamehameha. Une belle fin de combat. Et on passe niveau 11 avec Ryu Link et niveau 10 avec Naruto Uzumaki. Et un petit peu d'or, bien évidemment. Okano Darekano Tameni 120% no chikara ga daseru. Sore ga omae tachi no tsuyosa ka. こいつも本物じゃないのか。誰だ、お前。カイン。それが俺の名だ。カイン。まさか、これで終わりだと思っていないよな。めでたい奴らだ。 貴様らがすがる正義や仲間などという言葉がいかにくだらないものか気づかせてやる。ガラ、何すんだ。まさか お前も操られちまったのか。逃げ場はない。 Ah, donc on se bat contre Gaara, le fameux. Il prend quand même très cher contre nous, hein. 逃げ場はない。Ah, mais on prend très cher contre lui aussi d'ailleurs. On va charger un peu quand même. La petite projection pour placer les dégâts. Le Kamehameha. Un autre Kamehameha pour terminer.
コズミックキューブを。了解しました。回収シークエンスを起動します。回収完了。ナルト、また助けられたのか。あんまり心配かけんなよ。一時はどうなるかと思ったが、よくやってくれた。長官、ベノムズを指揮していた男、カイン。奴がこの世界を混乱に陥れた張本人なんでしょうか。正確にはわからないが、その可能性は高いだろう。あの男の持っていた黒い本の力も気になる。奴はあの黒い本を使って自らの強い悪意をコズミックキューブに注ぎ込み、それをベジータやガーラに埋め込むことで彼らを操っていたのではないかと考えられる。みんなは引き続き仲間の救出とコズミックキューブの回収を進める一方で、ベノムズの指揮官カインが持つ黒い本についての調査も進めてくれ。それがこの世界を救う鍵となるかもしれない。Donc le fameux Kain. みんな集まったな。我々の戦力増強が急務だが、先の戦いを踏まえこれについて調べてほしい。これはガンマチームのメンバーによって撮影された映像だ。この男カインが持つ黒い本、正体は不明だが恐るべき力を秘めているのは間違いない。ガーラがこの本の力によってコズミックキューブに操られたこともそうだが、先の戦いで脅威となったトグロのレプリカたち、その出現にもこの本が関係していると思われる。今回の調査はルフィ、行ってくれるか。おう、任せろ。各自の健闘を祈る。Et ben voilà, ben c'est parfait. Donc pour cette vidéo, on va s'arrêter ici, les amis. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec un petit pouce bleu, mais surtout très important, abonnez-vous à la chaîne YouTube en activant donc la cloche afin de recevoir les notifications. C'était donc Ryulink sur Jump Force PS4. Allez, see you.